Salut tout le monde, bienvenue à tous donc sur cette chaîne nouvelle, très nouvelle. Donc nous allons jouer à Ni no Kuni, ce jeu que je ne connais absolument pas. J'ai du mal à entendre, j'ai le son assez fort dans mes écouteurs. Je baisse un peu le son, voilà. Donc bienvenue à tous, vous êtes vraiment nombreux, ça me met la pression comme c'est pas possible. Je vais vraiment essayer de faire au mieux. N'hésitez pas à me dire si j'oublie le son, si j'oublie l'image, s'il y a des soucis de quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire, je serai aux petits soins avec vous pour que cette expérience soit la meilleure possible. Donc je vais découvrir avec vous ce jeu Ni no Kuni. Je pense qu'il y a... Bonsoir. J'espère qu'il y a des gens qui, comme moi, le découvrent, et j'espère qu'il y a des gens qui ne le découvrent pas et qui le connaissent déjà, qui vont pouvoir m'aiguiller. J'espère ne pas trop galérer et j'espère m'éblouir devant tant de beauté de ce jeu inspiré de l'univers de Ghibli. Si je me souviens bien, il y a même des animateurs de Ghibli qui ont travaillé dessus, donc c'est très prometteur. Donc voilà, et bien, trêve de bavardage, j'ai envie de dire, c'est parti. c'est vrai que j'ai pas lu les pseudos, mais vous êtes nombreux. Mais bonjour à tous. Bonjour. Allez, bonjour Sacha Roxas, bonjour Uflux, bonjour Link Belmondo, bonjour Lofar, bonjour Massa Atu, Ayuna, Egokoe, Gimlao, Dissanes de Plucky, Y Chloé, non, Iloel, Tigrex, Shaelaïs, Xenaonix. Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. C'est vrai qu'il est déjà tard, je commence très tard. Et merci à tous ceux que follow, merci à Toa Inika qui vient de follower. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de follow, merci à tous ceux qui me suivent du coup désormais. Alors, techniquement je joue à la manette. Je vous préviens, je ne suis pas une très bonne joueuse manette. En plus le fil est... Non c'est bon, tout va bien. Je vais essayer de m'adapter au mieux. C'est bon, ça marche, c'est super. Oui, je suis un peu stressée parce que c'est un jeu que je ne connais pas. On a déjà fait Don't Starve, on a déjà fait Alice que je connaissais un peu bien. Là, c'est un jeu que je n'ai même jamais lancé. Donc c'est vraiment tout nouveau pour moi et c'est un jeu console. Je ne suis pas du tout une joueuse console, je suis une joueuse PC, une joueuse clavier souris dans l'âme. Surveille le chat. Ok, je surveille le chat. Tes joues sont de la même couleur que tes cheveux. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Alors, je vais mettre en facile. Attends, comment je fais? Facile. Les combats sont faciles. Ok. Je me concentre sur l'histoire, c'est très bien. Ça me va très bien de me concentrer sur l'histoire. Le jeu se prend facilement en main, tant mieux. Merci Michael, Macassel, pardon, qui follow. Et tous ceux que je vais oublier, parce que vous êtes nombreux ce soir. Mais je ne vous oublie pas. Je pense à vous et merci beaucoup. Et merci Neitao. Et là, je vais ça, du coup. オリバー。え?待ってよ。これが二の国。せや。お前らの世界とは違うもう一つの世界や。 Ah, la musique de Joe Hisashi. Ah, ça, ça promet. Thank you.
un générique avant de commencer. C'est très étonnant, je suis étonnée. Ah, et nouveau une cinématique. Attends, je me tais. Gomenasai. Gomenasai. Ohayo, Leila Oba-san. Ah, Oliva, ohayo. 今日の分ならそこに置いてあるよ。 あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけどあったかい？ え、本当？ じゃあ手に入ったんだ。 それでマークはどこにいるの？ 今さっき配達に出かけたところだから まだその辺にいると思うよ。 ありがとう、レイラおばさん。 あ、お母さんによろしくね。 Ah, ça y est, on va pouvoir jouer. Ah bah dis donc, c'est super prometteur, les cinématiques sont juste magnifiques et il n'y a pas tellement de différence avec le jeu. Et là, je... Ah d'accord. Ça me fait grave penser à Kiki la petite sorcière, cette ville un petit peu... Attends. Ah mais je m'oriente pas avec les sticks en fait, je m'oriente avec les flèches. Si ? Attends. Je prends en main, je suis désolée. Je découvre. C'est un Ghibli, la princesse Kaguya. Il me semble, oui. C'est pas un Miyazaki, ça c'est sûr, mais il me semble que c'est un Ghibli. Il y aura une VOD sur la chaîne Twitch, sûr. Par contre, YouTube, je n'ai pas encore de chaîne, donc à voir. C'est pas encore fait. Ah, ça y est. En fait, le stick n'était pas encore là. Ça y est, je peux me déplacer. C'est vachement beau, hein. Par contre, on a très envie d'utiliser l'autre stick pour regarder autour de soi. C'est pas le cas. J'aurais presque envie qu'il y ait le dialogue en japonais, mais en romaji pour pouvoir lire comme si je parlais super bien le japonais. Ah c'est ça, c'est Takahata, princesse Kaguya. Merci Méaline pour la précision. De quoi d'autre pourrait-il être question, gros malin? Sugoi, Mark. Sugoi. On va faire le mur. Ah par contre j'ai laissé le son un peu fort. Vous m'avez pas fait la remarque mais je viens de le voir. En même temps le son du jeu est pas extrêmement fort. Donc ça va. Que se passe-t-il? Ah oh. はい、クリスタルの予言によれば、漆黒の魔導師、奴の力だけでは世界は揺るがぬと。残念ながら、この少年の名はオリバーと申します。オリバー。ああ。Je m'appelle Oliver, un peu à la Oliver Twist, ou Oliver et compagnie. Mais bon, Oliver et compagnie est inspiré d'Oliver Twist. Donc, Alors, je dois aller là où il y a l'étoile. En fait, j'ai la fâcheuse manie de passer les informations et ensuite d'être perdue. Donc je vais essayer de suivre les informations. L'endroit où je dois me rendre, c'est l'étoile. Ok, la carte elle est là, en haut à droite. Je vais aller vers l'étoile. Takahata, le mec qui fait des films joyeux, mais sauf qu'il a fait le tombeau des Lucioles ou Pompoko. C'est vrai. C'est vrai, le tombeau des Lucioles, le film le plus triste de l'univers. À part peut-être La vie est belle, qui n'est pas du tout un film d'animation japonais, mais qui est extrêmement triste. C'est les deux films, moi, qui me font sortir les paquets de mouchoirs sans discontinuer pendant des heures. Quoique Kaguya m'a fait bien bien pleurer aussi, hein. Attends, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est marrant, je sais pas si j'aurais raison de dire ça, mais ça me fait un peu penser à... Mince, ce jeu inspiré de Pokémon. Peut-être que j'aurais un souffleur. Non, pas Firewatch. Yokai Watch. Où on va chercher les monstres et les esprits dans les maisons. C'est un peu cet aspect ruel, maison, petite maison. Qu'est-ce que tu as dit? 母さん、何？明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。
そうなんだ。じゃあ今夜は早く寝ないとね。え？まあ、うん、そうね。そっか、そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん、行ってくるね。行ってらっしゃい、オリバー。気をつけてね。うん。うん。J'aime beaucoup la façon, j'ai jamais encore vu trop des japonais le faire, mais apparemment pour dire non c'est mm, et pour dire oui c'est mm. J'espère ne jamais me tromper le jour où on ira au Japon. En même temps en France on fait un petit peu ça, hein, mm, et puis mm. Tout doux bijou, moins fort. Oh cette traduction tout doux bijou, cette expression existe vraiment? Et gros malin aussi c'est pas mal. J'assure. Oh, c'est gentil, Christophe Metroid. Est-ce que je parle japonais, Sayakalo? Pas encore. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. J'espère. Et le chat qui passe. Bonjour, chat. C'est marrant, avec l'autre streamer qui est sur ce PC, tu ne viens pas. Et quand c'est moi, tu m'aimes beaucoup. Oui, ils utilisent beaucoup de onomatopées Egokoe. Tout à fait, c'est vrai. Ah, Xena, tu me confirmes, la japonaise dans ta classe fait pareil, le « mm, mm. J'aime beaucoup aussi comment elle prononce « Oliver ». Oliver. 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 J'arrive pas à le dire, en fait. C'est le moment ou jamais. Je dois rejoindre le garage de Phil. On va pas faire de bruit. Ah. Ok. Ok, ça marche. Le menu principal. Ah, ça c'est important. Je veux pouvoir sauvegarder. Oh, merci. Maintenant, je peux utiliser le menu principal. Ouais. Ah oui, du coup, moi, je suis devant la tête... En fait, ce n'est pas Oliver qui joue. Voilà. C'est Red Fanny. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, faut que je me déplace avec les flèches, c'est ça, oui, c'est ça. Est-ce que là, je peux activer ça? Ah, non, c'est que c'est paramètres, d'accord. Ok, bon. Rendez-vous au garage. Ne pas faire de bruit. Des prénoms trop francisés, je te trouve un petit peu dur, Viti, parce que pour le coup, il y a beaucoup de Ghibli qui sont très inspirés de l'Occident en général. Quand on pense à Kiki la petite sorcière, qui se passe, je crois, en Allemagne ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, dans une ambiance très européenne. En fait, c'est assez courant que les Ghibli, et surtout Miyazaki, s'inspirent de l'Occident. Et à juste titre, puisqu'il a ainsi pu sortir du Japon et toucher beaucoup plus de monde. Donc je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que sans ça, on n'aurait pas connu Princesse Mononoke, Chihiro et d'autres. Dupluki, tu me conseilles de passer en normal? Je vais peut-être attendre le premier combat, parce que je suis pas très forte. Hein. Attends, je vais... C'est une cinématique. Qu'est-ce que c'est? 遅かったな、オリバー。ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ、それで完成したの？ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか？うん、見る見る。よっしゃ。じゃあ、行くぞ。うん。どぼー！うわー！すごいよ、すごいよ、マーク！だろ？うん、かっこいい。俺が思うに、アグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ、早速試運転と行くか。おお。うん。Hop. Oui, Kiali, tu as vu mon Pikachu rose, il est fantastique, je trouve. Je le trouve merveilleux, assorti à mes cheveux.
Et désolée à Toa et Nika que j'empêche de travailler. Mais en même temps, j'avais tellement envie de jouer à ce jeu depuis qu'on m'en parle. Oh là là ! Bon, d'accord, je t'attends ici. Et fais gaffe à la fille à la fenêtre. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment penser à Kiki la petite sorcière, surtout que là, le personnage qu'on a en face de nous, il ressemble grave au petit garçon qu'il y a dans Kiki la petite sorcière. Par contre, la blonde, elle m'en fait penser, je crois que c'est au souvenir de Marnie, qui est sorti il n'y a pas longtemps et que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, dites-moi s'il est bien. Il faut absolument que je le voie dans tous les cas. Dis donc, t'en pinces pour elle ou quoi? Mais non, jamais! Les filles, c'est trop nul! L'heure est venue de faire un essai. Ok. Attends. Il faut que j'essaye la voiture, on est d'accord. Si, c'est pas ça? Attends. Non. C'est pas la voiture qu'il faut que j'essaye? Ça y est, vous voyez, j'ai commencé, je suis déjà perdue. Please, help me! La voie est libre. Est-ce qu'il faut que je vérifie que la voie soit libre? Bah, la voie, elle est libre. Bon, il y a une petite étoile là-bas, je vais peut-être aller suivre la petite étoile. Bon, d'accord. Je suis l'étoile. Moi, je... On me dit de suivre l'étoile, je suis l'étoile. Yoshi, dare mo inai. Mark ni shiraseyo. Ikanai de. Eh? Ichia. Dame. Oliver, ikanai de. Da, dare? Kimi wa doushite boku no namae o? Oliver! 遅いぞ、オリバー。ごめん、マーク。見つかっちゃった。え、だ、誰に？あ、ほら、そこにいる。あれ？え？なんだよ、誰もいないじゃないか。あ、あれ、おかしいな。さっきまでいたんだよ、女の子が。女の子？ひょっとして窓女か？いや、あいつは外に出てこれないからな。まあ、気のせいだろう。ほら、戻るぞ。うん。オリバー、世界を救うという少年。しかし、もろく儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえ、あの程度では。Il est trop classe ce perroquet. あの男の闇がすべてを覆い尽くしたように。すなわち逆もまたしかり。いかがなさいますか。目は小さなうちにつまでばなら。かしこまりました。では早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。母さん、助けて。オリバー！母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ、今夜は早く寝ないとね。あ、オリバー。オリバー。
後で吠えるだろう。いいか、最初は車の調子を見るからゆっくり行くんだ。うん、分かってる。よし。ことになるなんて。ううん、それよりせっかくのマシンが。気にすんな、また作ればいいだろ。さあ二人とも今日はもう帰りましょう。あ、はい。どうしたのマーク。あ、ちょっとな、足くじいちゃって。もうしょうがないね。ん、アリ、アリ、アリ、どうしたの母さん。大丈夫。アリ、母さん、アリは心臓に持病があるの。母さん、ドクターを呼んでくるわ。母さん、オリバー、私のオリバー。母さん、あなたなら大丈夫。みんなと仲良くね。母さん、母さん、母さん、やだ、やだよ、母さん、母さん、母さん。愚かな、我が子を守るために自らを犠牲にするとは。しかしこれであの少年は分かっている。一の国での魔法は一の国でしか効かぬ。ならば少年はやがてこの二の国へと導かれるであろう。それを待てばよい。恐れ入ります、陛下。さて、どのようになるのか最後まで見届けようではないか。オリバ、おいしいよアップルパイ。ここに置いとくから後でお食べ。そうだね、もう3日も回しているんだよ。オリバー、母
さんは今日からお仕事に行くけど、寂しくなったらこのお人形を母さんと思ってね。母さん一生懸命作ったの。だからきっとオリバーの話を聞いてくれるわ。うん。じゃあお留守番お願いね。母さん。なあに、オリバー。ううん。早く帰ってきてね。わかってる。母さんとオリバーはずっと一緒よ。ずっとずっと一緒。母さん、帰ってきてよ。どうもこうもないがな。大妖精雫様の完全復活や。え、誰？おい、何度も言わすな。大妖精の雫様や。雫？黙って見とったらほんまメソメソメソメソ情けなやっちゃな。こんなお前は今日からメソや。三日は長い。長いで。なんぼなんでも三日泣き続けるっちゅうのはどうやろうな。いや、男としてな。三日はないな。ないな。え？お？自分半信半疑って感じやな。わかった、しゃあないな、説明したる。せやけどな、恐ろしく長い説明になるけど、ええんやな。うん、そうか、ええんやな、素直でよろしい。その素直さをいつまでも忘れんようにな。ほな、行くで。うん。実はな、自分知らんやろけどな、世界は自分のいるこの世界だけではない。世界にはパラレルワールドっちゅうてな、いくつもの平行世界があるんやな。そのうちの一つが俺らの世界、二の国ってわけやな。二の国？そう、その二の国の大妖精の俺様がやな、なんでこういうところにいるかということやけどやな、どんな世界にもやっぱり平和を脅かす典型的な悪いやつがおるわけや。闇の魔導士ジャボーってやつや。やつは人の心を支配して二の国に争いを広めていった恐ろしいやつや。歯向かった俺も人形に変えられてこの世界に飛ばされてしもたわけや。Non, je ne suis pas parti faire un footing, mais c'est vrai que cette cinématique. 自分の涙が俺にかかった途端、闇の魔法が解けて。C'est presque un film, en fait. なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。人は見かけによらんちゅうけどほんまやね。つまり。お前はこれから俺らの世界二の国に来て闇の魔導士を退治してもらわなあかんわけや。そんな。いや、照れんでもええがな。大丈夫、自分できるって。俺がサポートするさかいな。ええが、今から大事なこと聞くぞ。救世主殿、我々の世界救っていただけますか。嫌です。なんて、自分今なんて言った。 c'est vrai que je respecte les cinématiques Kenikai, mais Kenikai. だって、mais c'est vrai que moi qui suis une grande bavarde, c'est pas évident. これやから素人は怖いわ。自分頼むで。こういう時はさっそうでな、わかりましたとか、僕でよければ喜んでとか、そういうのパターンやん。パターンやん。わからんかな、ほんま、わからんな、この子。だって、そんな世界のこと知らないし、こっちはそれどころじゃないんだ。なんでや、おかんが死んだから。その自分のおかんの写真見せてみ。ええから早よ持ってこいや。どれどれ。おお、こらまさか、こんな偶然があるんかいな。どうしたの。賢者アリシア様や。これはお前のおかん救えるかもしれんぞ。どういうこと。長い説明パート2聞きますか。うん。この世界と二の国にいる人々の魂はつながっとる。つまりこの世界にいる人間は二の国にも存在する。同じ魂を持つ者は見た目も似てしまうんや。で
お前のおかんと魂を共有してんのは二の国の賢者アリシア様というわけやな。母さんが賢者様。でも救えるってどういうこと？アリシア様は闇の魔導士ジャボーに戦いを挑んだ。しかしジャボーの力に敗れ邪神の玉に閉じ込められたと言われとる。もしそれが本当やったら邪神の玉に閉じ込められたせいで魂のつながりが切れたんや。邪神の玉からアリシア様を救えばお前のおかんは生き返るかもしれん。本当？確かではないけどその可能性はある。あれ？でもなんで雫さんがそのことを知ってるの？ずっと人形にされてたんでしょ？おほう、質問やな。それはやな、二の国にいる妖精は俺だけやない。俺が動かれへん間俺は仲間からの情報を受け取ってたわけや。まあ一般的に言うテレパシーっちゅうやつやね。それだけやないで、俺はその妖精たちにこの世界にいながら指示を出しとったんや。ジャボーのことを探らせたりしとったんや。で、えらいやろ。お？どないした？僕行くよ。二の国に行く。二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか。そやな、動機は不純やけどまあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。うん。それで二の国ってどうやって行くの？知りたいか？ええやろ、教えたる。まずは魔法やな。誰かに見つかるとまずいよって隠しといた。この家の1階の暖炉の中探しに。なんで暖炉の中なの？とにかく暖炉の中や。さあ行くで。OK! Ça y est, on joue! Ah ah! Ça y est, on joue! Ça y est, on a la manette, on peut se déplacer! Oh, oh, je revis! Ah! Ça y est, enfin je joue! Non, non, c'était super cool cette cinématique. C'était vachement long. Je crois que c'est le premier jeu où je mets autant de temps avant de jouer. C'est un peu mix film-jeu, en tout cas pour le début. Et puis, oh, ce pathos, mon dieu! Cette tristesse, on aurait dit le début de là-haut, mais en plus long. Et en moins triste, c'est vrai. En fait, le fait que ce soit aussi rapide et que ce soit un petit peu balancé comme ça, c'est moins triste. D'un autre côté, je sais plus qui c'est qui l'a dit tout à l'heure sur le chat, je pense que c'est pas non plus le but, vu que c'est un jeu pas triste, alors que dans là-haut, l'idée c'est de partir sur du triste pour se reconstruire. Là, c'est pas tellement l'idée, je pense. Alors, la cheminée, où est-ce qu'elle est, la cheminée? Je ne la vois pas. Cheminée. Par contre, c'est vrai que ça commence... Elle est là. J'ai mis mes yeux en mode veille. Ah, le fameux livre. Magic Master est dans le feu, non? Il ne brûle pas. Il est un livre de magie. C'est ça? お、あったで。Il me fait trop rire avec sa petite lanterne. これが魔法の本？せや。正確には魔法指南書、マジックマスターや。マジックマスター。Vous avez obtenu l'almanach du magicien. Ouais, on va pouvoir faire plein de sorts. Ouvre grand tes oreilles, mon gars, je vais t'apprendre ce qu'il y a dans ton almanach du magicien.Si l'envie te prend de faire un peu de lecture, appuie sur triangle pour ouvrir le menu principal. Ok, ça marche. Ok. C'est vrai que les textes sont longs, les cinématiques sont longues, alors que des fois on comprend avec peu de choses. Si j'avais une chose à critiquer, ce serait peut-être celle-là. J'inscris mon nom? Sérieux? Mais je joue pas Oliver? C'est étrange ça.Allez, je vais mettre Red Fanny. Attends, F A, N. J'aurais dû partir de l'autre côté. J'aime bien me compliquer la vie. Ok, start. J'ai pas de start sur ma manette. Ça doit être option. Ouais. Non. Oui. Oula, j'ai fait un serment du magicien. Mais est-ce que je dois faire vœux de chasteté et vœux de célibat? Parce que bon. Et vœux de silence aussi. Ça m'embêterait.
魔法の杖ないんか。魔法を使うには杖がいる。これ常識やろ。そんなものこの家にはないよ。めんどくさいけど仕方ないな。外に魔法の杖探しに行くぜ。Le trait de casse-pied, j'hallucine. Toi, tu n'es pas une fée, hein. Et から行くぞ、メソ。Tu me fais plus penser à Calcifère. メソじゃない。さっき決めたって言うてるやろ。お前はメソや。もう。Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Ok, une baguette magique. Ok. Pourquoi pas considérer ça comme un échauffement? On va jouer aux œufs de Pâques. Cool, j'adore ça. Est-ce qu'il y a des poules? Est-ce qu'il y a des cloches? Parce que j'adore le chocolat. Oh, je veux une baguette en chocolat. Une baguette magique en chocolat. Oh, ce serait trop bien. Ça y est, j'ai faim. Ah non, ça y est, j'ai faim. Est-ce que tu es sûr qu'un bâton mâchera? Ah, mais il suffit d'un bâton. Un bâton qui mène en bateau. Tout doux. Ah oui, pardon, je pars dans le mauvais, du mauvais côté. Mais attends, mais ma carte, elle m'indique là. Ah non, elle m'indique petit bonhomme, parce qu'il faut que je lui parle. Qu'est-ce que tu regardes? Ne me dis pas que tu as l'intention d'utiliser ce réverbère comme baguette magique. Ah oui, c'est vrai que ça ferait un peu gros, je suis pas sûre de pouvoir le porter. Te voilà magicienne, dit The Foeli. Merci, je suis une magicienne aux cheveux roses. Et ça c'est fou, ça c'est le mieux. Alors. Non mais en fait c'est lui qui me guide. Je peux pas prendre n'importe quoi comme baguette magique, je peux pas prendre le poteau. Je peux pas prendre ce monsieur. Tout doux. D'accord, je veux prendre cette voiture alors. Attends. J'arrive pas à lui parler. C'est où qu'il faut que j'aille? Mais je vois l'étoile là. Ah si, d'accord, c'est... Ah. Oh, c'est un jeu de... Chante le thème d'Harry Potter. Link Belmondo, c'est vrai que j'ai Harry Potter un peu dans la tête aussi. Non mais moi je veux pas une baguette toute simple, je veux la baguette de Suro. Je veux la plus puissante pour tout détruire. Non, je rigole, pas tout détruire, tout construire. Et mettre des licornes et des paillettes. Ok, j'ai un sac sans fond. Oh, j'ai le sac de Mary Poppins. Mais c'est génial. J'aime ce jeu. J'ai le sac de Mary Poppins. Je ne le quitte plus. Plus jamais. Ok. Ah, mais ça me plaît parce que dans Don't Starve, j'avais jamais de place. Là, j'ai un sac sans fond. Est-ce que je peux pas emmener mon sac sans fond dans Don't Starve? Ça me plairait bien, ça. D'accord. Mais moi, je veux ma baguette. C'est la rue principale. Non, mais genre, je peux pas traverser. Allez. D'accord. On risque d'y trouver un beau... Bon, d'accord. Bah, je passe par là. Non, Diabou, moi, j'aimerais bien avoir de la place dans Don't Starve. Je suis toujours à court de place. Ou un sac à dos plus grand. Ou le mode où je peux avoir 99 objets et une place de plus. C'est vrai que j'utilise en général les modes. Je triche un peu. Mais il y en a partout des bâtons. Pourquoi il faut que je trouve un bâton spécial? Long et marron. mais pas mou. Hein. La fille aux cheveux verts! Copine de cheveux à couleur improbable! J'aime bien cette fille, elle a des cheveux verts. La couleur la plus chiante à faire d'ailleurs. Hein. Si jamais vous avez envie de vous teindre les cheveux, je vous conseille le rose ou le violet. Le vert, c'est galère. Le vert, c'est galère. Mais, Kimi wa doushite boku no koto o shitteru no? Oriba. Gomen ne? Eh? Mama no koto. Mamore nakutte. Gomen ne? Sonna. Doushite kimi ga ayamaru no? Mamori takatta no ni. Oriba. あ、待って君どこに行っちゃうのねえ君どこに行ったのおいオリバー一人で何してんねんあ、しずくまたいなくなっちゃったは何が不思議な女の子僕に二度も話しかけてきたんだ何やと不思議な女の子はあ、そら確かに不思議やな姿がどこにも見えへんそ
そうなんだよ。今さっきスーって消えちゃって。なあ少年、一つ聞いてもいいか。え、あ、はい、どうぞ。冒険のパートナー、まさか俺では不満か。え、パートナー、誰のこと。ガーッ、誰のことやて。えらい強烈な切り返し来たで。そら冒険に花はつきもんや。パートナーがこの俺だけやったら不満や。もっともっと彩りを添える仲間が欲しいと、そう言いたなるのもわかる。せやけどな、ないものねだりはあかん。人は身近にあるもんで何とか工夫することによって価値っちゅうもんが出てきてやな。あ、あった。やばいけーつ。はい。あの子がいた場所にこれが落ちてた。ん？ちょっと待てよ。よっ、これはびっくりや。ほんまもんの魔法の杖やで。え、魔法の杖？ほら見てみ。パッと見はただの木の枝やけどな、杖の表面には二の国の文字が描かれとる。本当だ、これが二の国で使われてる文字なんだ。まあ文字自体が古すぎてほとんど力を失っとるんやけどな。けど今必要な杖の力としてはこれで十分や。やった、よかった。びっくりしたわ、ほんま思わぬ収穫やで。それがこないなとこで見つかるとはな。もしかしたらあの子が僕に届けてくれたのかも。Mais c'est pas un vieux bâton, c'est pas un vieux bâton, c'est la baguette de Suro, je vous le dis, moi. Je vais devenir un grand magicien. Le plus grand, le plus fort, le plus beau. Il faut de l'espace pour lui donner du peps. Secoue-toi, ça donnera du peps. Bon, d'accord. Conduis-moi dans un endroit où il y a plein d'espace. Viens, on sort de la ville. Le grand palace. Le grand place. Grand... Le grand place. Ou c'est moi qui ai, mieux... c'est... qui ai mal lu. Je dirais plutôt la grand place. La grande place. Oui, vous avez... je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais la peluche qui parle, qui s'étonne que le petit garçon voit des... Je vois des gens qui sont morts. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Par contre, elle est mystérieuse. Hein. Je me demande si c'est pas une des personnes justement qui a cette double personnalité qui passe d'un monde à l'autre. D'accord, ya. 普通の人間には魔法は見えへん。さあ、オリバー、ゲートを使え。うん。あ、Alors, portail. Est-ce qu'il faut que je l'active? Oui.Est-ce que je vais passer dans l'autre monde? Dans l'autre monde. J'ai bien compris que chaque personne avait son double, mais je me demandais si cette petite fille, justement, elle passait pas d'un monde à l'autre. On a eu des Oliva. Eh, ma, Matteo. C'est ça, Ni no Kuni. Ya, ya, 見えてきたな。
せやけどまだ距離あんな。C'est super beau. でもさ、しずく、すごかったよね、さっきの。ああ、イノシカの群れやな。あれこそ二の国の大自然や。で、感動したよ。うん。やってよった魔物や。うわー、どうするの。さっきのイノシカとはちゃうで。見てみ、襲ってくる気満々や。逃げなきゃ。せや、棒や、棒持ってるやろ。そいつで叩いて追い払うんや。ええはよ構えや、来るで。Ah, ah, Makenaio. Lion chiot. Ah oui, c'est vrai qu'il a une crinière. Ça m'étonnait aussi pour un chiot. Pas d'affolo, mon poteau. Mais comment tu causes? Ok, la jauge verte, c'est ma vie. Ça va. Ma jauge bleue, c'est mon mana. Ouais, ma magie. Parfait. Pour l'instant, ça va. Ça, c'est sa vie à lui. Oui, ça c'est bon. Ça c'est easy. Ça c'est mon attaque. Ça c'est ma défense. C'est écrit dessus. Et là, je l'attaque. Mais il t'a rien fait. Pourquoi tu le tapes, ce mignon chiot? Il est trop mignon. Prends-le en laisse plutôt. Fais-en ton copain, prends-lui des tours. Pas encore possible. Défense alors. Ah, je peux pas faire défense? Si. Ça fait défense? En fait, j'aurais dû lire, c'est ça? C'est ça que vous me dites. Ah, je peux tourner autour. Ah, j'ai mis le son trop fort. Merci. Ce sont pas des animaux, The Fueli, ce sont des monstres. Oh, mais il a l'air mignon, celui-là. Oh. Nice. Oh, regardez, je l'ai assommé. Et il disparaît. Je l'ai tué. Je l'ai fait désintégrer, c'est horrible. Je préférais les Pokémon où on les récupérait, on en faisait des copains. Bonne nuit à ceux qui s'en vont d'ailleurs. Seiya, j'ai oublié de dire, mais les monstres sont dans tous les pays de Nino Kuni. Bon, comme ça, on va les prendre. Voilà, on va, Oliva. Ah, oui. Mais où est-ce? D'abord, on va prendre la magie de la magie. La magie, c'est ici. Ah, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je ne peux pas. それは一時的なもんやろ。その棒で引き出せる魔法力には限界がある。ゲートは使えたけど、他の上位魔法はその杖では無理。自分ちょっと考えたらわかるやろ。そうなんだ。言うてたやろ。この先にゴロネール王国中国がある。その国やったら運が良かったら一つくらいどっかに残ってる可能性はある。魔法の杖ってそんなに貴重なものなの？いやー、昔は行さんあったんやけどな。闇の魔導士ジャボーが現れてから魔法自体撲滅されてたんだ。ジャボーは魔法を使うことを禁じて、誓った者には呪いをかけるん。みんなジャボーを恐れて魔法を捨ててもうた。ジャボーはそんなに怖いの？俺かて人形にされとったやろ。奴の魔法力は絶対的や。それに人形に変えられたり呪いをかけられるくらいやったらまだ。下手したら心の一部を奪われて抜け殻人にされてしまうん。抜け殻人、それってどうなるの？心を奪われて抜け殻人になったら悲惨やで。生きとんのか死んどんのかわからん状態で雑草のように生きるんや。あないなったらおしまいやね。だからみんなジャボを恐れるんだね。そんなの許せないよ。許せないっちゅうてもやな、どうにもならんのよ。俺らだけの力やったらな。だからお前はここに来たんや。お前やったらジャボを倒せるかもしれん。僕がジャボを？ああ、お前は透き通った心の持ち主や。透き通った心は闇の魔法を打ち消すっちゅう言い伝えがある。せやからお前にはジャボを倒せる本格的な魔法を学んでもらう。ええな。うん、やるよ。魔法を学ぶ。そのためにはまずは魔法の杖が必要ってわけや。それじゃあ目指すはゴロネール王国だね。そういうことや。J'ai obtenu le trophée monde à l'envers. Ok, on va aller chercher une plus belle baguette.
Moi, elle me plaisait bien, hein. Elle me suffisait. Mais tant pis, on va la chercher une mieux. Ok, ça marche. Faut que je fasse une pause. C'est vrai ? Ça fait pas une heure que j'y suis, là. Si, c'est vrai ? Bon, je vais peut-être faire une petite pause. En plus, on vient d'arriver dans le monde, c'est pas une mauvaise idée. En plus, c'est beau. Attendez, comment que je fais ? Je fais comme ça. Mais oui, c'est merveilleux. Bon, pour l'instant, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup les graphismes, ils sont vraiment sympas. J'avoue que je préfère quand même quand les cinématiques sont en 2D, qu'on passe en 3D. Malgré tout, le cel shading marche bien. Les animations sont cool. Et l'univers a l'air extrêmement riche, donc j'ai hâte de voir la suite. Je fais une toute petite pause, c'est surtout pour ensuite pouvoir faire plus facilement la VOD. Donc restez là, je reviens dans à peine quelques petites minutes. A tout de suite.